Et bonjour à tous, c'est Nicolas Ch'ti avec Gérald de Rive sur The Witcher 3. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va continuer de finir les contrats sur Skellige en espérant, je pense qu'on va tout finir sur cet épisode. Et le prochain épisode, on reprendra un peu l'histoire principale. Donc là, on a des mineurs, on a un contrat sur des mineurs disparus et on va aller parler à Gjar. Pendant l'attaque des ours-garous. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu as des trucs à fouiller? Oui, tu as des trucs à fouiller déjà. Fouillons. Et parlons. Hop. Oh, il y a un minerai de. De je sais plus quoi, minerai qui est là. Et on va parler à Gjar. Salutations, sorceleur. Salut. Je viens au sujet des mineurs disparus. C'est à propos des mineurs disparus. Je pense pouvoir aider. Que s'est-il passé? Ben, il était pas mal question de filons d'argent dans les collines du Nord. Et vu tout ce qu'il faut pour affréter les drakkars, on a envoyé quelques gars voir si des fois il y avait du vrai. Mais ils sont jamais revenus. D'accord. Je pars à leur recherche. Pour l'argent dans ces collines, je ne sais pas. Mais pour les monstres, je vais voir si les mineurs sont tombés sur un os. Ou si ils sont devenus des os. Contrat mineur disparu. Ok, on est. Est-ce que on a un TP pas loin? On va y aller. Bah, à dos d'ablette. Ok, elle est là. Coucou ablette, ça faisait longtemps. Allons voir des mineurs disparus. Si ça te dit. Alors, on va traverser le pont. Tranquillement. Dégage le chien. Dégage la poule. Ok, on peut galoper. Hop, c'est bon, on peut y aller. On va sprinter. Il n'y a pas de limitation de vitesse. Donc c'est cool, on peut rouler à 80. Allez, on va tout droit, sans fioriture, sans passer par quatre chemins. On regarde la carte. On s'en fout. Oh, il y a un géant. Ok. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ah, voilà le camp des mineurs. Hop là. Le bivouac des mineurs. Cherchons des indices. Cherchons des indices et cherchons des trucs à fouiller avec nos sens de sorceleur. Une vigne curative. Bon, c'est pas ça. Ah, des trucs à fouiller là. Une fiole. On prend tout. Ah, ici on a des traces de pas. Des empreintes. Humaines. Ah, et on a débloqué un TP. J'avais même pas fait gaffe. Et ici on a un coffre, du cuir usé. Vigne curative. Alors on suit. Les. Il y a des loups. Alors. J'ai quoi? J'ai Igni. Ouais, ça devrait le faire. Il m'a pas vu. Donc tant mieux. Si. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Mais si les loups ils veulent bien. Le truc où il y a quand il y a beaucoup de mobs autour de soi. Ok. On a plus de loup. On peut tout ramasser. Range ton épée, Gérald. Il n'y a plus personne. Tac. Comme j'ai tout le temps, le loot, c'est la vie. Et ici, on a notre par mineur. Cache thoracique enfoncé. Ok, faut continuer. Il y a encore un loup là-bas. Encore des traces de pas. Qu'on va examiner quand même. Quelqu'un a rampé par ici. Avec une jambe cassée.
Bon, le loup n'a pas l'air de m'avoir vu. Ici, il y en a des trucs. Le loup vient. Ok, il est venu quand même nous embêter. Mais il a eu son compte. Examinons. C'est pas le vent qui a couché ces arbres. Arbres. Quelque chose de gros. J'ai peut-être une réponse, mais si on dit un gros mot sur YouTube en ce moment, on se fait démonétiser. Totalement ridicule. Ah bah voilà, des os. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Brisé. Un troll de pierre, dirait-on. Un troll de pierre. Alors. Tap tap tap. Alors. Si c'est un troll de pierre méchant, alors on va aller dans le bestiaire. Glossaire. Bestiaire. Des ogroïdes, donc un troll de pierre. Ah, c'est tap tapeur. Il est vulnérable. Huile contre les ogroïdes et il est vulnérable à Quen. Donc, on va se mettre en Quen. Ok. Et on va essayer de faire une huile contre les ogroïdes. Alors. Touk touk touk, ogroïde amélioré. Donc je peux en fabriquer un. Et je peux pas faire la supérieure parce qu'il me manque foi de troll des cavernes. Mais au moins on a l'huile. On va aller dans l'inventaire. On va se mettre un coup d'huile. On va manger un coup. Et on va y aller. On va se préparer. Ok, il est pas content. Je peux te parler. Ah, on peut parler. Une seconde. Je veux juste parler. Parler ? J'en parle. Mais calme. Sinon, troll tape. Tapez-toi, comme autre. D'accord. Pourquoi tu les as tap-tapés? Eux rentraient maison troll. Troll dire, zom partir. Mais eux tap-tapés caillou troll. Alors troll tap-tapé aussi. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Est-ce qu'on est méchant et on dit oh, tu vas le payer? Je comprends, ils l'ont bien cherché. Ah, est-ce qu'on fait... Oh, allez. Désolé, tu t'en tireras pas comme ça. Ah, la baffe. Le karma, tu veux pas t'en sortir comme ça. Bon, au moins, on peut voir ce que ça dit ici. Si je te suis, bien mérité. Ça ira pour cette fois. Mais tue d'autres humains et je reviens te couper la tête. Bien compris? Non. Beaucoup mots ensemble. Bobo tête. Je recommence. Toi, tape taper Zom encore, et moi, coupez-toi. Ah. Troll plus tape taper. Et Zom prendre ça. Cause que gentilshomme, pas coupé. On a gagné quoi? Ah, de la tunasse. Ouais, ok, on va aller. Est-ce qu'on peut lui parler? Ok, 4 mises à jour. Donc, on va retourner voir le village. Enfin, le villageois. Le campement de mineurs, non, c'était par là. Ok, on va retourner à Blandard. Et on va aller voir Gjar. Les affaires roulent par ici, non ? Voir ce qu'il dit. Non, je veux pas Ablette, je veux juste courir. Alors les gars, vous allez où cette fois-ci ? À Kerak. C'est Val d'avant du vent.
Ok, on arrive sur place. Allez, Gérald. Cours, 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 Gérald. Cours. Ok. On ouvre la porte. Bonjour. Vous y étiez au château ? Oui, oui, tu m'as dit la même chose déjà. Salutations, sorcier. Salut ! Je viens au sujet des mineurs. Vos mineurs sont morts. Personne ne savait qu'un troll vit là-bas. On en avait entendu parler, mais... Mais l'avidité a pris le dessus. C'est pas à vous de nous juger, étrangers. Et le troll, alors ? Bah, il est vivant. Je l'ai laissé en paix. Et vous feriez bien de faire pareil. On s'est dégonflé, chasseur de monstres à la manque. Hors de ma vue ! Bah non. Drôle d'oiseau. T'as qu'à faire des contrats commerciaux avec lui et je suis sûr qu'il t'aidera. Hop, quête mise à jour, donc quête terminée normalement. Ok. On est bon, on va aller voir d'autres contrats de sorceleurs. Ah oui, on avait dit dans l'ordre. Donc niveau 28, dragon. Parler à l'ancien du village de Firestall. Firstdal, pardon. Donc on est assez loin. Normalement, il doit peut-être avoir un TP à côté. Ah, ok. On est à Firstdal. Il y en a un. Non, je me TP. Ok. Faut trouver la bonne touche. Faut trouver le bon truc. Ok. On est... à Firstdal ou Firestdal, je sais pas comment on le prononce, je sais pas comment vous le prononcez. Et Yalmar, il a tué le géant de glace tout seul. Ah, à l'aide. Pourquoi? Alors, natif de Skellige. Et après? Après, rien du tout. C'est un boulot pour un sorceleur. Si tu le dis. Alors c'est une histoire de monstre. Je peux aussi m'arranger pour les histoires de couple. Une bête nous a attaqués. Mon compagnon et moi. On va s'en charger, te bile pas. Ouais. Mais pas nous, le sorceleur. Pourquoi embêter un sorceleur avec ça? C'était sans doute qu'une meute de loups. Mais péteux comme t'as cru voir des spectres. Je vais rassembler quelques gaillards et puis... C'est pas la peine. Par contre, ton casque, il est moche. Pas vrai? Putain, tous aussi cons sur Pharo. Alors, déjà, bonjour, qui es-tu? Vous venez de Pharo. Ce n'est pas la porte à côté. C'est comme ça. Je suis à Firstdal pour vendre une cargaison de peau de Svarlag. Ah, Firstdal. Ok. Vous disiez venir de Pharo. Svarlag se trouve sur Spikrug. C'est que j'ai d'abord vogué de Pharo à Svarlag. J'y ai échangé du butin du continent contre des pots. Et après, je suis venu ici. De Pharo à Artskellig en passant par Spikrug. Ça fait un sacré détour. C'est pas comme si j'avais le choix. Un marchand cherche les meilleures affaires, pas les plus proches. Ok. Pourquoi refuser l'aide des gens du coin? Ce que dit ce chasseur, c'est possible? Ce serait des loups? Je sais ce que j'ai vu. Et puis qu'est-ce qu'il en sait? Ces canailles du clan Drummond n'y connaissent rien. Cette canaille-là portait les couleurs du clan Ancrait. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Oh, t'as des problèmes de vision, toi. Ils valent guère mieux, de toute façon. Les monstres m'ont attaqué. Il me faut un sorceleur, pas un chasseur. D'accord, j'écoute. Bon, j'écoute. Racontez-moi tout. Mon ami et moi, on venait à Firstdal avec un chariot rempli de peau. Soudain, on a entendu un cri strident. Notre cheval paniqué s'est mis à ruer, et puis les monstres ont surgi des buissons. Mon ami n'a pas eu de veine, ils l'ont eu en premier. Moi, par je ne sais quel miracle, j'ai pu m'échapper. Quel genre de monstre? Des Nekuks, aucun doute là-dessus. Des quoi? Vous savez, griffes acérées, crânes d'animaux sur la tête, le genre qu'attaque en groupe. Des Nekers? Ouais, des Nekers, c'est ça. Une bonne vingtaine. Alors qu'en dites-vous? Vous allez tuer ces saletés? Faut nettoyer cette... On va surtout aller enquêter. Bientôt. Bon allez.
Je vais vous aider. Comptez sur moi. Fantastique! Je savais qu'un sorceleur me laisserait pas tomber. Pas comme ces grandes gueules du clan Drumdron. Drumdron. Toi, t'as du mal avec les noms, toi. Au revoir. Une minute. Où pourrais-je vous trouver? Quoi? Quand j'aurai fini, où dois-je venir vous voir? Ah, bien sûr. Eh bien, ici, à la taverne du coin. Je vous attendrai là-bas. Ouais. À plus tard. Quelque chose que me dit qu'il va essayer de... d'arnaquer. Bref, il y a pas la quête, elle s'est pas mise à jour, ou alors c'est vraiment une autre quête de sorceleur. La vache, vous êtes un spectre de Morog? Non, mais arrêtez, je suis un sorceleur et en plus je fais peur aux chats. Bon, ah oh, les enfants là, Vagne. Oh, un sorceleur, venu pour le dragon sans doute. Oui. Au sujet de ce dragon. Parlez-moi de ce dragon, de son apparence par exemple. Je ne sais pas. Vous êtes un chasseur de monstres ou pas? Écailles, ailes, griffes, un dragon quoi. Finassez pas et tuez-moi ça avant qu'il fasse d'autres victimes. D'accord, j'en fais mon affaire. En général, les sorceleurs ne tuent pas les dragons, mais voyons toujours. Vous parliez de victimes, je crois. Deux frères, Askel et Nilas, partis chasser pour finir en proie. Des blessures si horribles que j'ai failli pas pouvoir les ramener. Pourtant, j'en ai vu des horreurs en 32 raids. Depuis Povis jusqu'aux montagnes de... Fascinant récit, je n'en doute pas, mais ces blessures m'intéressent davantage. Vous pouvez me les décrire? Oui, allons à l'essentiel. La famille commence tout juste à préparer les funérailles. Les corps sont chez eux, tout au nord du village. Traitez-les avec respect, comme le veut la tradition. T'inquiète pas. Vous êtes un spectre de Morog? Non, deux fois. Donc, allons voir les corps. Vraiment pour savoir de quoi il en retourne. Donc parler à la mère des victimes, donc à Carly. Eh bien, encore un qui vient voir les victimes du dragon. Je devrais peut-être faire payer l'entrée. Pourquoi pas, mais je ne paierai pas. Peut-être tu te feras de la thune. À mon travail, on voit assez de cadavres comme ça. Je suis sorceleur. Ce qui m'intéresse, c'est le contrat concernant ce fameux dragon. Oh, mille excuses. Je savais pas. Je peux vous renseigner? Bah oui, je souhaite examiner les blessures. Cela risque d'être pénible pour vous, mais je dois examiner leurs blessures. Au moins, vous me demandez la permission, pas comme certains. Si ça peut vous aider à tuer la bête, allez-y. Ah, tu es une femme sage. Où les corps ont-ils été trouvés? Dans la clairière après la rivière. Les garçons... ils aimaient l'endroit depuis tout petit. Ils y allaient. Ah, il y en a, il n'y a plus de pieds. Ce sera tout pour l'instant. Merci de votre aide. Et je promets de les venger. Ok. Examinez les corps à l'aide de vos sens de sorceleur. Allez, hop, examinons le premier. Traces de griffes et de crocs, mais aucune brûlure. Intéressant. On peut mourir en ayant juste ses pieds arrachés? Ok, le deuxième. Ok, non, le deuxième c'est bon. Ça fait les deux en même temps, donc suivez les traces du monstre jusqu'au lieu de l'attaque. A l'aide de vos sens de sorceleur. Bah allons-y, c'est juste pas trop loin. Les yeux bridés, sûrement Azerikani. Donc on peut y aller. Ok, on est sur place. Ici il y a déjà quelque chose à examiner. Examinons. Là, ce dragon. Pas fichu de soulever une vache. Il a déchiqueté et laissé sur place. Ok. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Examinons tout ça. Ah, ici. Il y a des traces. Du sang de vache. Qui pourrait me conduire à l'antre. Ok, suivons les traces rouges. Avec l'aide de notre sens de sorceleur. Donc hein, c'est du classique. On suit notre proie avec notre flair. Et on a un chien. Il est tombé devant. Donc le dragon est assez fort pour un chien, mais pas pour une vache. L'antre. Un fouinard, dirait-on.
Mais vide. Inutile de poireauter. Il me faut un appât. Bah, le chien. Ok. Parler à l'ancien du village de Fiersdal. Hein. De l'appât. Ok, bah, allons-y. Retournons en arrière. Un petit footing matinal à 14h44. Ouais, c'est matinal pour Gérald. Ok, on retourne, on est de nouveau à Fiersdal hein, et on va aller parler à l'ancien. Ok, il est là-bas. Et on repart à ce gars-là. Alors, vous comptez agir ou pas pour le dragon? Mais oui, c'est un fenard. J'ai trouvé l'antre du dragon. Mais il me faut un appât pour le tuer. Une brebis, par exemple. Ah, d'accord. Vous comptez la bourrée de soufre? Encore un admirateur du brave petit cordonnier. Non, pas besoin de soufre. Juste une brebis. Nature. Compris. J'en ai une. Sans sel ni poivre. Malingre, mais ça ira. Vous savez manœuvrer les brebis, au moins. Faut faire comme les chiens de berger. Poussez à gauche, elle va à droite. Poussez à droite, elle... Si c'est à la portée d'un chien, je devrais m'en sortir. Ok, on a la brebis. Comment fait-on avancer une brebis? Viens là, petit. Et le mouton, ramène-toi, on a un fouinard à chasser. Alors... Lunaire, la brebis. Allez, il s'appelle Mia. Hop là. Allez, hop. Dédicace à elle. À tous ceux qui s'appellent Mia. Ah là là. Regardez devant vous. Je crois que ça va être laborieux. Par là le... Oh là là. Ok, c'est bon, on avance. On avance quand même. On avance. Ça me rappelle une des quêtes au tout début, il fallait aussi ramener une chèvre. Mais après le gars, on sait pas ce qu'il faisait avec. Allez, avance. Ok. Le dragon. Alors déjà, on veut le hard. Ok, il est à terre. Reste à terre. Raté. Reste à terre. Aïe, faut que j'esquive quand même. Hop, ok, je vais faire ça, moi je voulais faire ça. Là ça passe pas. Ok, hop. Ok, on peut l'avoir comme ça. Ok, reste à terre. Aïe, il m'a eu. Oh, par contre. Faudrait que je reprenne un peu de ma vie. Il m'en a mis une belle. Faut que je fasse gaffe à ma vie. Ça va, on a le... Le poulet qui redonne de la vie. Mais on va temporiser un peu. Ah bah non, je me suis trompé de touche. Allez, on l'a eu. Oh bah il a bien glitché. Putain, c'est la vache. Alors, prélever le trophée. Calme-toi, tu l'as bien mérité. Ah, il est là. J'ai cru que ça avait bien bugué, mais ça va. Il a juste bien glitché en dessous du sol, mais ça va, la récompense est là. C'est le principal. Le petit poignard. Pour récupérer la tête. Et on a Ablette qui est juste à côté. Bah c'est bien, on va aller directement
retourner à Firsdal. Allez, voilà. Ce cheval, quand il a pas envie, il a pas envie. Tac. Ça fait c'est comme si... Hop. On l'a eu, on a eu le dragon et on va reparler à l'ancien pour dire que c'est bon. Alors, vous comptez agir ou pas pour le dragon ? Bah c'est fait, tiens, regarde, j'ai sa tête. Votre problème. Et c'est tout ? Je veux des détails. Il crachait du feu ce dragon ? Du venin ? Ouais, on va dire la vérité hein, quand même. Il ne s'agissait pas d'un dragon mais d'un fouinard. Même aspect, mais en plus petit. Et moins dangereux. Plus petit, vous dites ? Alors la prime sera plus petite aussi. Oh, le salaud. Nous avions convenu d'une somme précise. Oui, là. Pour un dragon. Si j'avais su que c'était un bête fouinard, je l'aurais tué moi-même. Non, mais... Bon, ouais, c'est pas grave. C'est pas comme si qu'on avait de la thunasse. Là où le sorceleur passe. Les monstres trépassent. Je suis d'accord avec toi. Ok, on a fini cette quête-là. Prochaine quête, de sorceleur. Ah oui, bah c'est, en fait, c'est ce contrat-là. Ok, trouver le lieu de l'attaque des monstres. On a parlé à ce gars-là, donc c'est cool. Donc c'est la suite. La suite directe. Alors, Gérald. Voilà, hop. C'est comme ça qu'on fait. Besoin d'aide ? Qu'est-ce que je disais ? Personne de toutes les îles... On est à peu près une centaine de pas du lieu. On va pas appeler le cheval. Hein. On va pouvoir y aller... À pied, on n'est pas trop loin, il n'y a pas de mobs qui vont nous embêter. Je dis ça, puis il y a une meute de loups qui va apparaître. On arrive sur place, et on a trouvé le lieu. Alors, est-ce que... Chariot, je devrais inspecter le coin. Ouais, parce que ah, là, il y a le cadavre de son ami, je suppose. C'est sûrement le compagnon du type de Pharo. Étrange. On dirait qu'il est mort de vieillesse. Ah. Et pas démembré par un équerre. Il y a Anguish ou Roche. Son flanc semble avoir été entaillé par des griffes. Mais il a aussi un trismus et l'échine déformée. Comme s'il était mort du tétanos. Ok. Est-ce qu'il a maquillé ça en accident ? Enfin, est-ce que justement, ce qu'il a fait, il a maquillé ça en attaque de monstre ? J'ai eu chaud. J'ai l'impression que ce n'était pas un accident. Mieux vaut enquêter. Ouais. Vaut mieux enquêter pourquoi aussi tu parles tout seul, Gérald. Des fois, tu m'inquiètes. Alors. Ici. Ah bah, ça sent les odeurs. Le sillon a l'air frais. Le rocher a dû rouler ici. Examiner. Le sillon a l'air frais. Ah, merde. Le rocher a dû rouler ici. C'est toujours le même truc. Ici, c'est toujours en jaune. Alors, on peut grimper. Ok, ici, on a notre truc. Le rocher est parti d'ici. On dirait qu'il y a des traces. Est-ce qu'on en veut à la vie de Gérald ? Examinons ça. Ah, des traces l'équerre. De pas. Il a dû marcher dans la boue avant d'arriver ici. Ah, un équerre quand même. C'est un équerre qui aurait fait ça ? Ça me semble beaucoup pour un équerre, un gros rocher comme ça. Alors, déjà, un petit igni. Toi, tu brûles. Allez, venez. Trop de loups. Bon, oh, joli esquive le loup, hop. Ok, on s'est débarrassé de tous les loups. Maintenant, c'est l'heure du loot. Bon, c'est des loots qu'on connaît, mais bon, ça fait quand même... plaisir à ramasser tout ça.
Et le dernier il est là-bas. Tu peux ranger ton épée, Jérôme. Il faudrait que je revoie les options de dégainer et rengainer l'épée. Donc. Ah, oh, ok. Ici il y a une grotte. Continue de suivre les traces. Ah, on en veut vraiment. Qu'est-ce qui se passe ici? À Gérald. Oh, on veut faire tomber Gérald dans un piège. Et on a des andriagues. Bon, faut que je fasse gaffe quand même. Parce qu'ils empoisonnent et ils font mal. Ok, je peux utiliser mon... Ils font... Faudrait que je me concentre à esquiver plus. Ok, c'est bon, ça passe. Voilà, quand on se concentre, ça va mieux. Et on a des engrais ouvrières maintenant. Ok, on va utiliser le truc en groupe. Moi je vous dis, ça fait du loot. Et on a un Arrakas. J'ai du poison. Les insectes, c'est faible au poison, comme dans Pokémon. Par contre, s'ils m'empoisonnent, c'est pas bon. Oh, il n'y a plus de poison pourtant. Ok, on l'a eu. On les a tous eus. Donc on peut looter maintenant. Alors, ramassons tout ça. Clac. Et maintenant, c'est la foire au loot. Ok. Ok. Suivez la trace des monstres à l'aide de vos sens de sorceleur. Alors, est-ce que... Ah, on peut aller par là. Non, il n'y avait pas de chemin, mais on peut sauter par là. Allez Gérald, un petit effort. Ah, par contre, on voit que Pouic. Alors, c'est pas cette touche là. C'est pas celle là. Ah, je voulais la torche. Ok, on a la torche. On voit un peu plus clair. Ah, bah maintenant il me dit... Il me dit par là. Ah oui, bah il y a des traces là. Ok. C'est bon, il fallait activer l'essence de sorceleur. Ici, il y a un passage ici. Est-ce que ça sent le loot bonus? Non, ça n'a pas l'air. Bon, tant pis. Par contre, on entend des bruits de monstres dans le casque. Une patte de Necker. Elle a été vidée et utilisée comme une botte. Quelqu'un l'a perdu en courant. Ok, oh. Le mystère s'épaissit. Ouais, bon, on se doute de... peut-être de savoir qui c'est. Une patte de Necker et... un pied humain. Vu la taille, celui d'un enfant. Et il courait. Ok, est-ce que c'est un gamin qui voulait faire une mauvaise blague? Ok, non, c'est bon.
Ok. Hop, on va descendre un peu, voir s'il y a un petit coffre. Non, il n'y a rien. Hop, on peut remonter. Oh, on entend des chèvres. Ici, de nouveau, un petit renfoncement. Un truc à fouiller. Non, juste des cages. Et ici, bon, on a des Necker. La piste s'arrête ici. Est-ce que tu vas te faire avoir par un enfant ? Qui irait accrocher des dessins dans un endroit pareil ? On dirait l'œuvre d'un enfant, ou d'une personne très maladroite avec une plume. Ok, ça ressemble à un plan... De bâton au-dessus de l'épaule. Ça pourrait être... moi. Bah oui, ça ressemble fortement à toi. Chariot. Et voilà l'endroit où le rocher a failli m'écraser. Des traces de Necker près du rocher. À présent, je sais d'où elles venaient. Mais je me demande qui les a faites. Ces boules sur des bâtons, ce sont des andriagues. Elles étaient sûrement censées m'achever. Un plan élaboré, il faut le reconnaître. Mais on est trop fort. Ça doit être le point de rendez-vous. On dirait que cette petite embuscade était un travail d'équipe. Il est grand temps de faire la connaissance des farceurs. Alors si c'est un gamin, il va recevoir deux baffes. Ok, c'est juste pour voir les images. Donc ici, on peut examiner ça. Ouais, on peut examiner ça. On va examiner le Necker. Un Necker, mis en pièces par quelque chose d'énorme. On lui a coupé les pattes. D'accord, donc c'est bon. On peut ressortir, parce que je pense qu'on a tout vu. Merde. Ah, faudrait vraiment que je revoie le truc qui dégaine automatiquement. Il y a vraiment des Necker en sortant. Allez, on prend le mutagène. Et aller au lieu de rendez-vous des conspirateurs la nuit. Pourquoi il y a un petit point rouge ici? Sur la mini-carte. Ou alors c'est... bon, c'est bizarre. Il y a vraiment des choses bizarres depuis la... mise à jour next-gen. Il faut vraiment que je revoie le fait de... dans les options que Gérald puisse dégainer ses armes seul. Automatiquement, je veux dire. Après, c'est sûr, le fait de le faire soi-même, bah, ça met un côté un plus RP. Bon, il est 19h16 dans le jeu. Alors, est-ce que c'est assez considéré comme la nuit? Ou est-ce qu'on... Alors, on sait quoi, on va méditer un coup quand même. Jusqu'à minuit, au moins, on sera sûr. Hop. Et donc là on peut pas dire que c'est pas la nuit, donc là c'est bien la nuit. Et on arrive à la zone des conspirateurs. Ici. Ça doit être ici. Et il commence à pleuvoir. Vous pouvez sortir, j'ai vu votre plan. En plus, je vous entends. L'un de vous siffle comme un soufflet percé. Un autre halète comme un cerf pris dans un piège. Et le troisième ferait bien de prendre un remède pour la gorge. Je recommande de l'extrait de thym. Ok, on a un troll, on a les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Ce monstre-là. C'est simple, t'es là et nous aussi. Je peux arranger ça rapidement. Sors ce truc! Pas par Locke! Ou Polo! Polo! Bien dit! On te tient! Tu es à notre merci et la pitié, c'est pas notre...
on a eu Mia et Polo. C'est deux amis, leur pseudo que je connais. Moi, je les ai déjà vus IRL. J'ai trouvé le nom de l'épisode, Mia et Polo. Je me demande pourquoi il n'est pas déjà en purée. Oh, on a un loup-garou aussi. Vous deviez le tuer. Quoi? Il a jamais été question de le tuer? Non, jamais. Un lycanthrope, quoi. Simplement lui faire peur. Montrer à sur ce truc, nous méchants pas beaux. Lui peur, chassez-nous. Je crois que vous avez mal compris. C'est un assassin, comme tous ceux de son espèce, comme celui qui a tué mon Natalia. On est tous vraiment désolés pour ta compagne. Un Doppler. Mais ce sorceleur ne l'a pas tué. On ne peut pas lui faire payer le crime d'un autre. Il est loin d'être tout blanc. On raconte qu'il a tué un Kored à Toussaint. Mais il a épargné un dragon doré. Et après, qu'en est-il de Verina, la Brooks qui avait un faible pour les roses bleues de Nazaire? Il n'a eu aucune pitié pour elle. Alors, j'ai aidé... Ouais, allez, on va quand... Est-ce qu'on se justifie? Est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on menace? Bon, allez, on va quand même... on va être quand même diplomate. Allez, on va essayer. Verina avait tué beaucoup d'innocents. Je devais faire quelque chose. Mais j'ai aidé beaucoup de monstres. Ah bon? Qui? J'ai libéré Morgvarg, ouais. Ah ouais, j'ai aidé ça. Bah, tout ça, ouais. On a fait tout ça. Ah bah là, c'est Nicole. Voilà. J'ai libéré Morgvarg. Morgvarg, le loup-garou du jardin de Freya. J'ai levé sa malédiction et je l'ai épargné. Loulou, comme toi. Sors ce truc, aimer Loulou. Pas faire mal à toi, peut-être. Ne me fais pas rire. Ça ne change rien. Oh. Ok, j'ai laissé partir Salma. Salma, une succube de Novigrad. Je l'ai laissé partir tout en sachant qu'elle avait tué des gardes. Alors, même si tu sais qu'un monstre a tué quelqu'un, tu l'épargnes. S'il avait de bonnes raisons, oui, ça arrive. Tu vois, il est pas si méchant, on devrait le laisser partir. Le laisser partir? Maintenant? Pour qu'il nous traque et nous trucide? Vous n'avez rien à craindre. Je ne tue pas les créatures intelligentes. Menteur! Les sorceleurs sont tous des assassins. Je tue des monstres, oui. C'est mon métier. Mais seulement ceux qui menacent les humains. C'est faux! Tu nous hais tous! Les humains vous haïssent tous, par ignorance. Ils ignorent lesquels d'entre vous sont dangereux et lesquels veulent vivre en paix. Entre vous et les humains, il n'y a que les sorceleurs. Nous connaissons et protégeons les deux mondes. Nous tuons les monstres dangereux pour permettre aux autres de vivre en paix. C'est la peur qui te fait dire ça. Tu sais que nous avons l'avantage. Pas du tout. J'aurais pu vous tuer dès le début si je l'avais voulu. Je le crois. On devrait lui ficher la paix. Je vote pour. J'ai l'impression qu'il dit la vérité. Laissons ce truc aller. Imbécile, vous êtes trop crédule. Est-ce qu'on va se bastonner contre le lycanthrope? Juste un sorceleur gentil. De la poudre aux yeux, tout ça. Tous les humains mentent. Laisse tomber, ce n'est pas la solution. Tu ne ramèneras pas, Dahlia. Restez là. Je vais en finir moi-même. Bon bah baston contre le lycanthrope. Bah, ouais, normalement c'est un lycanthrope, ça on est bien d'accord. Tu comptes me
me faire languir longtemps. On est concentré. Au moins ça craint bien le feu. On esquive. Ah oh, de la mise. Et normalement encore un coup, ça devrait être bon. On l'a eu. Il l'a cherché, on s'est défendu. Légitime défense. Tu avais raison. Les monstres sont comme les hommes. Il y en a des bons, des mauvais, et d'autres qui sont perdus. Quel dommage. Il était différent autrefois. On n'aurait pas dû le laisser nous entraîner là-dedans. Tiens, un petit quelque chose de notre part, pour te rappeler que les monstres ne sont pas tous dangereux. Bah tu es bien mignonne, merci, ma petite. Mais ces licoles, ils sont pas dangereux. Ok, bah c'est cool, on a pris un niveau. On va looter le loup-garou. Ce qui reste. Ouais, c'était bien le loup-garou, c'était bien les contrôles. On a bien raison. Alors. Bah on a fini les quêtes de sorceleurs à Novigrad. Là on a encore un à Velen et un à Oxenfurt. Mais voilà, on va attendre de prendre un peu plus de niveau. Donc la prochaine fois. On va aller à l'île des brumes, on va monter à bord d'un bateau et on va aller trouver les Syries. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.